tout à fait inimaginable que le plaisir soit un obstacle à la vertu, puisqu'au contraire, le plaisir fait partie de la conception thomasienne de la vertu. Et ici encore, il y a de quoi être dérouté, parce que aujourd'hui, la vertu, ça ne se vend pas très bien. Si je vous propose de partir en vacances avec un ami vertueux, vous allez dire « je préfère autant y aller tout seul, hein, ce n'est pas des vacances hein. ». Donc la vertu, c'est très curieux de voir que ça a une connotation assez facilement triste, enfin, et pas très intéressante. Pas du tout chez Thomas d'Aquin. Pourquoi ? Parce que le plaisir pris dans l'action fait partie de la définition, si on peut dire, de la perfection de l'action. Un acte n'est pas parfait s'il ne produit pas le plaisir, si on ne s'y retrouve pas, pas simplement raisonnablement, mais également par son corps. Tout ça parce que Thomas d'Aquin définit la vertu comme un habitus, donc une capacité à agir, dont les trois caractéristiques qu'on peut retrouver dans l'action, c'est la fermeté, la netteté et le plaisir. Quand on apprend une langue étrangère, ou quand on apprend un instrument de musique, les débuts ne sont pas tellement source de plaisir. Et puis quand on se rend compte qu'on a acquis une certaine aisance, on se dit « ah bah oui, ah bah c'est pas mal, j'ai réussi à faire ça » et on en éprouve de la joie et du plaisir. Eh bien, ces expériences-là qu'on peut faire dans le domaine artistique ou technique, Thomas d'Aquin les transpose dans le domaine moral pour dire que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire lorsqu'on pose des actes vertueux, qui manifeste donc qu'on a développé en soi cette capacité qu'est telle ou telle vertu, eh bien, on va avoir non seulement de la joie, mais du plaisir à le faire. Et donc je trouve ça extraordinaire, quoi. C'est tellement à contre-pied de ce que nous pensons. Hein, aujourd'hui, on va dire exactement le contraire. On va dire « Ah non, mais s'il trouve du plaisir à servir les pauvres dans son association, c'est qu'il se recherche lui-même, il fait ça pour se faire du bien. » Et on va dire « Il fait ça pour se faire du bien, donc ce n'est pas de la vertu. » Eh bien, Thomas d'Aquin dit exactement le contraire. Réjouissons-nous si en plus il s'y fait du bien. Si en plus il y trouve du plaisir, ça veut dire qu'il est, on pourrait dire, il est parfaitement à l'aise dans ce qu'il fait. Les actes qu'il pose pour servir les pauvres dans cette association, on pourrait dire que ça lui correspond exactement. Il a bien fait d'aller là parce que c'est ça qui lui convient. Et donc, les pauvres sont servis et lui il est heureux. Il n'y a rien d'autre à chercher.